Nous sommes ici avec les populations de la langue de Barbarie qui étaient convoquées par le projet CEP. C'est le projet donc de relèvement d'urgence et de résilience de Saint-Louis. Ce projet se fixe pour objectif de déguerpir toutes les populations qui sont à 20 mètres de la mer. Les populations ne sont pas d'accord avec ce projet. Ils pensent que ce projet peut être lourd de conséquences. Déguerpir des populations de la langue de Barbarie qui ont toujours habité avec la mer, qui n'ont pour métier que la pêche, pour eux, pour les enfants, pour vouloir aller les reloger à l'intérieur du continent, on ne sait pas où, cela pose problème. C'est pourquoi nous disons que, étant donné qu'il y a de l'argent, on propose aujourd'hui des dédommagements, on propose des compensations. Mais cet argent, qui est évalué aujourd'hui à 70 milliards, au lieu de le dépenser pour déguerpir les gens, mais nous pensons qu'il serait plus logique de dépenser cet argent pour protéger la langue de Barbarie. La langue de Barbarie a simplement besoin de murs de protection. Et nous savons par expérience que dans tous les pays du monde, on ne fuit pas la mer. La mer, on l'attaque. Si on veut protéger la terre, on attaque la mer. On met en place des brise-lames. Il faut investir cet argent pour faire des brise-lames et pour faire un mur de protection. C'est ça que disent les populations. Les gens qui ont dit que nous devons faire trois chambres de cri à la famille. Si nous avons trois chambres, nous devons faire des donc, il y a 8 chambres, 9 chambres, des familles qui sont en train de se faire. Il y a des étages, des terrasses. Mais il y a 8, 9, 3, 4. Il y a des valeurs, des 20 millions, des 100 millions. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Nous devons faire des choses qui sont en train de se faire. Waaw ndox ñu amna li ñu bëgg légui bu ñu ñëw ñu waxtaan ak ñom xeyna bu dugg manul ñak ñu jox ñu lu nga xamanteni def nañ ko ci kër yi du doora joggé fofu dem lool nañu bëgg lool moy suñu naxar.